J'ai quand même 19 livres à présenter pour mon book haul du mois d'août et de septembre. On va essayer quand même de faire ça vite pour pas que le bureau dure un plomb comme d'habitude. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu le titre de la vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter mon book haul du mois de août et de septembre. Toujours en retard. Je vais faire quand même ça assez rapidement. Je dirai pas beaucoup de résumés du livre, mais au moins vous allez savoir qu'est-ce que j'ai reçu dans ces mois-là. Quand même là, c'était un très gros... c'était 2 mois, c'est énorme. Alors, c'est parti. Alors comme vous savez, mon anniversaire c'était le 21 juillet. Et une gentille petite fille m'a envoyé, à vrai dire, un colis de la France. Et c'est Neil Gorman qui m'a envoyé de Shadowhunters Codex par Cassandra Clare et Joshua Lewis. Pour mon anniversaire, que vous savez, j'étais super, super emballée. Comme d'habitude, Nin a fait des cadeaux comme super, trop, trop beaux. Et je suis tellement contente d'avoir ma collection de Shadowhunters. Sérieusement, il est magnifique. Je l'ai feuilleté. Je trouve ça super cool parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à l'intérieur. C'est vraiment un truc pour en connaître un peu plus sur la série officielle. Et voilà, Nin, si tu passes par ici, merci encore une fois. Sérieusement, un très, très beau cadeau que je m'attendais pas du tout et que finalement, j'étais très très ravie de l'avoir. Alors Nin, si tu passes par là, un gros merci, je t'aime du fond du cœur. Par la suite, j'ai acheté 2 livres en anglais de la même maison d'édition, que finalement parce que je trouvais ça juste trop trop beau et que l'histoire m'avait l'air super pas mal, mais sérieusement je sais pas si je vais être capable de le lire parce que c'est de l'anglais et des fois c'est hyper complexe. Mais quand même, je les ai avec moi, alors c'est super cool. En premier, j'avais pris The Witches of the Glass Castle par Gabriella Lepore, publié chez Of Tomes Publishing. Si vous connaissez Ben Of Tomes sur YouTube, c'est un booktuber. Il a créé sa maison d'édition et il a sorti, à vrai dire, des romans, des tout petits romans comme ça. Pas trop gros, sérieusement, je trouve ça super cool. C'est un beau format. Les pages couvertures sont juste magnifiques, sont toutes belles. Tu dirais tous les livres de cette maison d'édition-là, mais finalement, ils sont juste trop beaux. Et d'ailleurs, c'est une histoire de sorcière. Alors, vous savez, moi, les sorcières, c'est un gros crush avec moi. Et finalement, j'ai pris Blood Rose par Danielle Rose, qui est une autre histoire de sorcière avec des pouvoirs et tout. Encore une fois, page couverture est juste magnifique. Je trouve ça super, super beau. Le détail est juste vraiment dingue. Et bien, je les voulais dans la bibliothèque parce qu'ils sont juste trop beau. Voilà, la page couverture m'a fait craquer, alors ma faute. Ensuite, comme vous savez, j'ai été au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eh bien, j'ai acheté quand même 4 livres. Alors, je croyais pas en acheter, finalement, eh bien, j'en ai acheté. Alors, premièrement, j'ai acheté, quand je les ai vus, Les Menteuses, Pretty Little Liars, le tome 1, 2 et 3. Tome 1 qui s'intitule Les Confidences, le tome 2, Secret, et le troisième tome, Rumeurs. Il les a finalement en intégrale, sauf que moi, je les voulais pas en intégrale parce que, sérieusement, quand j'ai vu l'écriture dans le livre, j'étais tellement comme découragée. Mes yeux avaient envie de virer tout croche là, sérieusement. Non, je me suis dit comme, je vais m'acheter comme les petits livres qui ont vraiment une écriture super cool, qu'on voit très très bien, c'est assez gros. Même si ça coûte quand même 17$ le livre à place de genre 40 intégrales, eh bien, j'aime bien avoir les petits tomes. Alors en plus je les trouve super cute, ils sont vraiment de couleurs très très flashy. Mais c'est pas mes couleurs que j'aime habituellement, mais pour Les Menteuses, je trouve ça assez cute. Et finalement, un autre livre qui m'a vraiment beaucoup plu tout de suite, il s'agit de BOA de Magali Laurent, publié chez Édition de Mortagne. C'est une dystopie qui m'a l'air vraiment pas mal, sérieusement, qui a un rapport avec le sang. Je vais pas trop en découvrir avec le résumé. Magali m'en a un peu parlé et ça m'a tout de suite plu. C'est vraiment l'air d'une dystopie vraiment super chouette et j'ai très hâte de pouvoir le découvrir et pas vous en parler sur la chaîne. Ensuite, on va passer à la partie des partenariats. J'ai reçu par Edling au salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les 2 premiers tomes de Intemporel par Alex S. Girard, publié chez Easyling, qui a l'air d'une histoire vraiment super cool. Le livre il est vraiment super beau. Tout le dedans est super nice. Finalement, il y a vraiment des dessins un peu partout. C'est pas un livre juste avec des paragraphes et tout. Il y a vraiment plusieurs trucs. Encore une fois, je veux pas trop me spoiler. Je sais que ça va souvent me plaire, mais je voulais vous montrer vraiment ça ici. L'auteur, quand j'étais le voir, a fait des dessins finalement dans le livre. Alors vraiment, c'est super cool. On a voulu faire un peu une Bellatrix, un peu très obscure, très sinistre. Et le deuxième finalement, un gars vraiment comme un peu méchant en train de fumer une cigarette. Alors vraiment, l'auteur était juste vraiment super bon en dessin. J'ai pas compris encore comment qu'il fait pour comme dessiner comme ça, savoir qu'est-ce qu'on veut et finalement il va nous dessiner vraiment dans le livre. Mais vraiment, j'ai rencontré l'auteur, vraiment super gentil.
Alex, si tu pars par là, sérieusement, je suis super content de t'avoir rencontré, sérieux. J'espère qu'on pourra se revoir très très bientôt dans le Salon du Livre, mais des livres qui ont l'air super cool et que j'ai hâte de pouvoir vous en parler sur la chaîne. Dans la suite par les éditions ADA, j'ai reçu une collection entière, Les Contes Interdits, par 4 auteurs. Je vais vous expliquer tout ça. Ce sont les contes interdits, les contes de notre enfance que finalement les auteurs ont modifiés pour nous mettre vraiment plus gore, plus obscur. Et on s'entend par les pages couverture qui sont vraiment juste magnifiques. Voilà. Alors en premier, on a Les Trois Petits Cochons par Christian Boivin. Ensuite, on a Hansel et Gretel par Yvan Godbout. Ensuite, on a Peter Pan par Simon Rousseau. Et finalement, ma page couverture préférée, Blanche-Neige par L.P. Sicard. J'aime vraiment comme les enfants un peu possédés et tout ça. C'est un gros croche pour moi. Mais voilà, ce sont 4 livres finalement que j'ai pas encore lus et que je vais lire probablement pour décembre. On entend parler vraiment beaucoup au Québec. En France, je sais pas encore s'ils sont sortis. J'aime pas trop les contes genre de jeunesse. Sérieusement, ça m'attire pas. Donc, tout le monde aime trop Disney et tout ça. Moi, à un moment donné, un film là, que genre dure 1h30, que finalement il chante 1h, là, ça me turn off. Mais là, par exemple, c'est gore, c'est de l'horreur, c'est des trucs que j'adore. Alors, j'ai très hâte de pouvoir vous en parler et je vais vous faire une vidéo complète là-dessus, vraiment spécialement pour les contes interdits. Alors, restez en ligne et je vous dis quand ça va être fait. Par la suite, par les éditions Guy Saint-Jean, j'ai reçu dans la collection C'est ma vie, Mathias par Mathieu Fortin et le deuxième, Olivier par Kim Firststone. Désolé pour la prononciation. Ce sont des histoires vraiment ados. C'est vraiment des problèmes que les adolescents ont vraiment souvent dans la vie d'ado, à l'école et tout, et que c'est vraiment sur plusieurs sujets, comme Mathias, celui-là, c'est sur l'obésité. C'est un livre, à vrai dire, pas qui me rejoint, mais j'ai vraiment eu un problème d'obésité quand j'étais plus jeune. C'est vraiment assez intense, fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir, savoir un peu qu'est-ce qui va se passer. Également, ben, j'ai un peu un vécu là-dedans, alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que finalement Mathieu a écrit dans Mathias. Et finalement, le deuxième, Olivier, je ne sais pas encore de quoi ça parle. Il parle beaucoup de photographie à l'intérieur du résumé, mais j'ai pas trop compris de quoi ça va parler, alors bien hâte de découvrir. Je crois, si je me souviens bien, c'est des histoires réelles, des histoires vraies. Je suis pas certain, mais c'est quand même des sujets qui existent tout autour de nous dans la vie d'adolescent, alors j'ai bien hâte de découvrir et je crois bien que ça va vraiment être une lecture assez dure, assez rough peut-être, mais j'ai bien hâte de pouvoir vous en parler parce que c'est des sujets que parfois les gens ne parlent pas beaucoup et que c'est un peu hors de la société, voilà. Alors, moi j'ai hâte de vous en parler et j'ai hâte d'aller découvrir qu'est-ce qui va se produire dans Olivier et Mathias. Ensuite, par l'édition Michel Lafond Canada, j'ai reçu Parfum d'amour par A.C. Lee, qui est une histoire de romance et de potions. Est-ce que j'en sais par le résumé? Qu'est-ce qui m'a approché? Genre, moi c'est vraiment, ça avait l'air une histoire un peu féfille et j'avais envie finalement de lire un peu ce genre d'histoire-là. Je sais pas pourquoi, j'ai eu une pause à un moment que je voulais lire un peu une histoire un peu romantique. C'est bizarre à dire de mon côté, voilà, c'est... je suis pas habitué à ça. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'aller par Parfum d'amour, je l'ai pas encore lu. Ça va être probablement une petite lecture super apaisante, tu sais, relax vraiment, avec quand même une petite touche de surnaturel. Alors pour moi, ben, je dis oui. Par Collection Art Canada, j'ai reçu La Lectrice par Tracy Shee, publié chez Robert Laffont, Collection R. Je le voyais trop souvent sur les réseaux sociaux et BookTube et... mes amis de la France m'avaient dit que c'était super bon et que j'avais vraiment envie de pouvoir lire et que j'ai pas encore lu finalement. Mais c'est une histoire où est-ce que les livres n'existent pas et que le personnage principal écrit un roman. Quelque chose dans ce genre-là, mais supposément que c'est hyper bon. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur. Mais si vous avez lu La Lectrice, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ça et si je devrais le lire au plus rapidement. Alors, Collection R, encore une fois, un gros merci pour l'envoi. Et finalement, j'ai été super gâtée par Interfera Médicis Canada. J'ai reçu 4 livres. 4 livres, à vrai dire qu'un j'ai demandé et les autres, eh bien, j'ai reçu un peu en surprise. Premièrement, j'ai reçu Re-Zero par Tapai Nagatsuki. Moi, puis le japonais ou le chinois, je sais pas trop. C'est quoi? C'est le tome 1. C'est un manga, mais pas un manga habituel. J'ai déjà lu des mangas. Moi, c'était surtout Pokémon que je lisais et Naruto. Mais là, c'est un manga, mais roman. Alors, je trouvais ça vraiment spécial. J'étais super content, vraiment, de le recevoir. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu de manga, justement, à part les Pokémon, que
Il y en a vraiment trop. Alors, vraiment, un gros merci, Lorraine, de me l'avoir envoyé. Par la suite, j'ai reçu Shade of Magic par Vichua, publié chez les éditions Lumen. Ça, c'est vraiment Sophie, mon éditrice de chez Luzerne Rousse, qui m'a dit, sérieusement, Max, il faut trop que tu lises ce roman-là. C'est un gars qui s'en va dans plusieurs mondes. Il y a comme quatre mondes. Il y a de la sorcellerie un peu là-dedans, ils sont là sur elle, des mondes un peu étranges. C'est le genre de livre que, genre, je raffole extrêmement. C'est le genre de livre que je capote carrément et que finalement, ben j'ai très hâte de découvrir. C'est une super belle page couverture. L'intérieur du livre est super cool. Si je vous montre comme les débuts de chapitre sont vraiment nice, sérieusement, Lumène, comme d'habitude, ben j'ai aucun mot à dire. Alors, Lorraine, merci beaucoup de m'avoir envoyé. Sérieusement, je suis trop content et j'ai très hâte de pouvoir vous en parler sur la chaîne. Un livre que je m'attendais pas du tout, il s'agit du deuxième tome de L'Assassin du Roi. C'est la série Witch Hunter par Virginia Buecker, publiée chez Pocket Jeunesse. Le premier tome que j'avais aimé, mais je trouvais qu'un peu qu'il manquait quelque chose, mais supposément que le deuxième tome est super super bon. Alors j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va arriver au personnage principal, Elisabeth. Et finalement j'ai reçu le troisième tome de Alone de la série Alive par Scott Ziegler, publié chez Lumen encore une fois. J'ai pas lu encore la série Alive, ce sont des gros pavés. J'attendais vraiment qu'il y ait les tomes toutes sorties, je crois qu'ils sont tous sortis, je crois que c'était une trilogie. Il va falloir que je vérifie, mais c'est une série que genre, je voulais lire, mais pas tout de suite. Je voulais lire quand toute la série va être finie. Moi, c'est le genre de roman que je capote, que j'adore trop, et que finalement, je veux lire vraiment la suite comme au plus vite, et je veux pas attendre 6 mois. Alors, je crois que je vais les lire vraiment prochainement, parce que la série me fait de l'œil depuis le tout début qu'elle est sortie, et que ça fait vraiment un plomb que j'ai dans ma bibliothèque, et que j'ai pas encore lu. Alors, je vais lire très bientôt, et je vais vous dire tout de suite qu'il va y avoir une vidéo, justement, spécialement pour la série Alive. Alors, voilà, Interforum, encore une fois, vous m'avez trop gâté. Encore une fois, un gros gros merci. Et voilà, tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si elle va durer un plomb au montage, mais j'espère que non. On va se croiser les doigts. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner et dites-moi dans les commentaires quelles sont les dernières réceptions livresse que vous avez reçues. Alors nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!